Concertation nationale encore, en tout cas pour le collectif des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale après ce forum. La déclaration a été faite ce mercredi au Palais du Peuple. Mettez votre cœur, votre esprit, votre force pour gagner. Gagner quoi? Gagner que demain, l'opposition soit notablement représentée dans le gouvernement à venir. Ces propos de Léon Kengo Adondo, co-président des concertations nationales, continuent à faire sécher encre et salive. Et même des réactions se multiplient. La dernière en date, celle du collectif des ONG des droits de l'homme, qui a dénoncé ce mercredi ce qu'il qualifie de putsch institutionnel. Le collectif des ONG des droits de l'homme, citadelle de la démocratie, exploite l'économie de l'article 64 de la Constitution pour dénoncer devant l'opinion tant nationale qu'internationale le putsch institutionnel programmé et annoncé par M. Léon Kengo Adondo, membre du Président, à l'occasion de la tenue des concertations nationales. Nous citons la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Considérant que les délégués concertateurs n'ont reçu aucun mandat de déstabiliser l'institution gouvernement, ce collectif appelle la population à la vigilance. Le peuple congolais a un atout de faire échec à ce projet. Il s'agit d'y opposer l'article 64 de la Constitution que nous citons. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative du renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et les punit conformément à la loi. Fin de citation. Ces défenseurs des droits de l'homme estiment qu'au regard des acquis de la stabilisation du cadre macroéconomique, l'aspiration du peuple à la paix, la sécurité, il n'y a pas d'urgence à la formation d'un gouvernement d'union nationale.